you gonna take my car? I'm gonna race it to the ground. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonjour. Bonsoir, il est 21h02, vous allez bien? Du coup ça va super. On se sent un petit peu seul hein, dans le hangar, c'est oui. Un peu bizarre, ouais. J'avoue. Mais bon, il fait pas si froid que ça comparé à la semaine dernière, il fait 16. Le printemps est en train d'arriver, enfin. Bonjour, on est super contents. Là, ça y est, tu vois, ça repart. Alors, ne faites pas gaffe si vos commentaires partent en haut, à gauche, à droite. C'est normal, c'est l'application qui décide de faire un peu ce qu'elle veut. Donc, voilà. La semaine dernière, on est à 8000 vues sur l'émission spéciale Armée de l'air et l'espace. Ouais, Salon de Provence. Donc ça, c'est super. On est super contents. Cette semaine, on va vous parler des rencontres qu'on a faites tout au long de notre périple. C'est ça, oui. Comme vous le savez, on fait tout à l'impro, un petit peu à l'arrache. Donc quand on a pris la voiture pour descendre à Salon de Provence, on est parti un mardi matin. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait eu des petits messages sur, oui, Facebook disant arrêtez-vous à Saint-Rambert-d'Albon. Voilà. Voilà, donc nous nous sommes arrêtés. Alors en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'autoroute et puis vers l'heure de déjeuner, on s'est dit tiens, on n'est pas loin de chez Samir. Oui. Et puis Samir, on l'a appelé malheureusement, je l'ai appelé un peu tard, hein, je ne l'ai pas prévenu évidemment. On s'est loupé, donc du coup on a tracé et on s'est arrêté à Saint-Rambert. Et puis on a fait le tour des hangars. Oui, c'est ça. Et on a rencontré Claude. Voilà, on a croisé Claude du club Danonais, qui est un club avion. Là-bas, le truc à voir, c'est, ça y est, j'ai oublié les noms, mais c'est une association qui retape les vieux avions. Ils ont plein de très belles machines anciennes, des gros trucs, hein, oui, oui. Tu te souviens? Non, mais vraiment, voilà. des grosses machines, ça c'est tout ce que j'ai retenu, mais je suis désolée, voilà. Hein, j'ai et pas malheureusement, mémoire, il n'était pas là. Oui, et je ne me souviens même pas de son prénom, c'est pas possible. Il nous l'a dit 4 fois au moins et on était déçus de ne pas de pouvoir le voir. Le monsieur qui retapait les vieux avions qu'on n'a pas pu... Ah oui, c'est une association, ils sont deux, oui, à bien connaître. Voilà. Donc là, on est un peu perdu. On va regarder tout de suite la rencontre avec Claude. Après, on trouvera Bernard. On va retrouver Peyo. On ne parlera pas de la base 701 Salon de Provence cette semaine. On a encore des sujets sur notamment la tour de contrôle. Oui. Et ce sera plutôt la semaine prochaine. Et pour répondre à Bernard, en effet, le resto, c'est là où on a déjeuné. C'était très parfait. Bon. Ouais. On retrouve tout de suite Claude. Ah non, justement, Claude. Claude. Comme vous l'avez remarqué, le 4 avril, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui. L'Ukraine frappe la Russie plus loin que jamais. Donc les gars ont modifié un A-22 qu'on peut voir ici s'écraser sur une usine russe. Et le A-22 a parcouru 1200 km, hein, comme ils l'ont transformé en drone. Donc on se pose tous la question, mais comment ont-ils fait? On imagine un petit pilote automatique type Garmin, ouais, ou autre. Parce que comme tu disais, c'est pas possible de télécommander sur 1200 km. Hein. Voilà, peut-être pour programmer pour voler à 500 pieds ou 600 pieds. Mais enfin bon, on se demandait aussi, mais comment font-ils pour le décoller? Bref, peut-être tout le ça pour dire que le A-22, on en parle dans la presse ces jours-ci. D'autre part, pour ceux qui pourraient être choqués, il faut savoir quand même que nos drones DJI qu'on utilise tous, c'est pareil, ce sont des appareils qui sont utilisés dans tous, voilà, les conflits sur Terre en ce moment, oui, pour faire soit du repérage, soit pour envoyer des grenades. Voilà. Mais en gros, c'est exactement les mêmes que ceux avec lesquels on va jouer le week-end. On s'en sert juste pas pour la même chose. Alors pourquoi je parle du A-22? Vous allez comprendre tout de suite. Bonjour Claude. Bonjour. Alors on est à Saint-Rambert-d'Albon. Et on est devant ton aéroclub. Tu es le président? Non, je suis juste le responsable pédagogique. D'accord. Ouais. Et on est devant une magnifique machine, un ULM, un A-22. Alors vous êtes plutôt un club avion? Ah, nous, on est complètement un club avion. Qui sommes passés à l'ULM il y a maintenant 7 ans, je crois. On a commencé par acheter un Tetra. Et puis il n'a pas autant volé qu'on l'espérait. Et là, on a investi dans l'A-22. C'était en octobre qu'on l'a reçu. Et a priori, il plaît bien. Là. Il a fait 100 heures depuis le mois d'octobre. Donc
C'est un A22 équipé d'un 100 chevaux. Voilà. J'ai vu qu'il était équipé Canardia, ce qui est quand même pas mal. Ouais. C'est un beau jouet, une belle machine, avec un tableau de bord basique, mais moderne, avec voilà. Radio transpondeur. Ouais. Bah oui, comme on est sous la TMA de Lyon et qu'on a pas mal de gros terrains autour, on est obligé d'avoir un transpondeur. Hein. Et alors, qui vole sur ce Tetra, sur ce A22, pardon. Et bien, sur ce A22, il y a... On doit être à peu près une trentaine à en avoir fait, là, maintenant. Ouais. Donc, on a deux, trois élèves ab initio, ULM, et sinon, bah, c'est des gens qui, en général, ont le PPL et qui veulent soit... Parce qu'on a pas mal de petits terrains autour, terroir, montagne, donc qui veulent se diriger vers des vols sur des terrains de ce type-là. Ou des gens, on en a quelques-uns aussi qui sont limite au niveau des visites médicales et qui se disent on ne sait pas ce que réserve le futur, donc autant avoir aussi le brevet ULM. Et puis bon, il y a des gens pour le plaisir de piloter une machine différente, hein, sachant qu'on a déjà deux petits jodels, donc les gens ont l'habitude de changer. Alors, justement, c'est quoi leur réaction face à cette machine? Ils sont plutôt agréablement surpris? Ah ouais. Le rapport poids-puissance. Le décollage court, la visie aussi, on est un club où on a que des avions ailes basses. Donc les gens, c'est une autre manière de voler, quoi. Mais les autres, ils aiment bien de voir des tas de choses. Même moi, le premier, il y a des choses que ça fait 40 ans que je vole ici, des choses que j'avais pas vues juste à côté du terrain parce que il y a cet angle de vue qu'on n'a pas dans les ailes basses. Hein, voilà. D'accord. Vous faites un tout petit peu de montagne dans le coin? Oui, alors un petit peu. Hein, on a le Vercors qui est pas très loin dans le Massif Central. Là, il y a le Pilat pas loin. Il y a une altisurface. Donc ça fait partie des projets. Pour l'instant, il faut que déjà les gens maîtrisent bien sur les terrains plats du coin. Et je pense qu'après, on va aller un peu dans le Vercors et dans le Massif Central. Ouais. Et puis, on a pas mal de pistes de terroir. Ce matin, je suis allé une petite piste qui est quoi, à 11 nautiques d'ici, qui fait 200 mètres au milieu des pêchers, là, sur le plateau Ardéchois. C'est sympa comme tout. Le gars nous attendait. Ça, c'est vrai que pour un pilote avion, c'est fantastique. Hein. Super. Tu nous montres un petit peu les machines dans le hangar, la partie avion principale du club. Ouais. Tu me disais qu'il y avait quand même... Une historique intéressante. Oui, on a deux Jodel là qu'on voit là-bas au fond du hangar. Le bleu là qui est un 119 a été construit par le mécanicien et il a fait son premier vol en 59. Ah oui. Et après on a acheté le rouge là qui est un 112, un 65 chevaux. Donc c'est 65 chevaux, il est quand même à moins de 100 francs de l'heure. C'est quand même un peu. Tu parles de celui-là. Voilà, celui-là. Hein. Ouais. 65 chevaux. 65 chevaux Continental, ouais. Et il est à moins de 100 euros de l'heure. Lui est un peu plus cher parce que c'est un 90 chevaux. Et autrement, on a deux DR400. Il y en a un qui est en vol. Et puis, on a donc 220 et un 180 pour les voyages, là. Voilà. Il est allé deux fois à Dakar, celui-là. Voilà. Il a fait quoi, le raid de la TQR? Voilà, c'est ça. Ouais. Super. Et alors, tu me disais que ici, dans le club, il y a toujours un membre de la famille Montgolfier. Deux Montgolfiers. Ouais. Le club a été créé en 36, je crois, par plusieurs personnes, dont un de Montgolfier. Et il y en a toujours un, là, qui est membre du club. Donc, on a toujours cette relation. On n'a pas que la Montgolfière dans le logo de notre club, on a aussi un de Montgolfier. Parce que les frères de Montgolfier sont originaires d'Annonay et ont fait leur premier ballon à air chaud, après avoir vu leur mère faire sécher le linge, je crois, et ils ont fait le premier vol à Annonay. D'accord. Donc d'ailleurs, il faudrait que je le retrouve, on a un dessin humoristique et il y a la carte du monde et la CTR en 1786, il y a juste un rond sur Annonay, c'est le seul endroit où l'homme volait, quoi. Parce que personne n'avait volé nulle part sur Terre avant. On ne sait pas trop, mais... Oui, on ne sait pas trop, mais a priori, c'est eux les premiers. Ouais, ouais. D'accord. Et puis, toujours dans l'aérostation, on a donc le marquis d'Arlande, qui est d'Anneyron, qui est à 2 km d'ici, et qui a été le premier passager aérien avec pilote de Rosier d'une montgolfière, donc qui était originaire d'ici, ami avec les montgolfiers, et qui, à Paris, était près à Versailles, et qui a fait donc le premier vol avec pilote de Rosier. Inaugural. Voilà. Ouais. Et alors, tu me disais que le terrain était un petit peu menacé. Voilà, on a le terrain dont on est là depuis... on a fêté les 100 ans, c'était l'an dernier. Et a priori, on est sûr d'être là jusqu'en 2027. Mais à partir de 2027, notre propriétaire, qui est la communauté de communes, nous a pas donné de garantie. Et a priori, on a des industriels dans le coin qui aimeraient bien récupérer tout ou partie de notre terrain, qui fait 35 hectares.
Et on a, alors, ce qui est important, hein, on a fait une démarche agrobiodiversité. Et on a, il y a pas mal de choses qui ont été trouvées. Il y a des, on a des cigognes régulièrement qui font escale ici. On a plein d'oiseaux. On a des problèmes avec les sangliers. On a des tas de bestioles. Et moi, ce que je trouve de magique, c'est que dans la vallée du Rhône, qui est le couloir de la chimie, je pense que c'est un des rares endroits qui n'a pas vu d'entrants chimiques depuis plus de 100 ans. Le terrain n'a pas été retourné, pas traité, il est juste tondu. Et je pense que c'est une richesse fantastique, même pour les gens autour. Et si on disparaît, ben, les gens autour perdront ça aussi. Et pour résumer l'activité, il y a combien de clubs ? Aéroclub, il y a l'Aéroclub d'Annonay et il y a Aéro-Rétro, qui est un club, hein, qui est une loi de 1901, dont la vocation est le maintien en condition de vol de vieilles machines. Hein. Ouais. C'est des gens ils font ça depuis très très longtemps. C'est vraiment, ça vaut le coup d'être vu, hein, c'est passionné. Et puis autrement, bah, on a diverses petites associations. Là, on a un club RSA, l'Arcapa. Il y a un club ULM aussi, et puis des associations de propriétaires. Mmh. Donc il y a quand même beaucoup d'activités, ouais. Avec une piste qui est ouverte toute l'année. Tu me disais qu'elle était super bien drainée. Oui, tout à fait, qui est utilisée par l'aviation civile, parce qu'il y a comment ça s'appelle maintenant, je ne sais plus, enfin moi je dis la DGAC, le CEFA, l'ex-CEFA, qui est à Grenoble-Saint-Jouard, hein, qui entraîne des pilotes étrangers et aussi des pilotes de ligne. Ils viennent faire de l'entraînement piste en herbe ici. Et puis on n'est pas loin de Lyon, un Bron par exemple, qui a un gros terrain lyonnais, a des problèmes de riverains, donc les gens ont tendance à venir ici s'entraîner. Donc là, ça tourne, ouais, on a une grosse activité, on a un resto qui attire du monde aussi. Je trouve qu'on a... On a tout pour être heureux, quoi. Ben merci beaucoup, Claude. Ah, de rien. Et puis, bienvenue à Saint-Rambert, hein, et n'hésitez pas. Donc, très sympa l'accueil à Saint-Rambert. Oui. On a repris la route. Et heureusement que Claude nous a rappelé le nom du aéro-rétro du club. Puis, on a un invité qui vient de débarquer. Alors, ouais. Je me trompe de caméra. Ah. Normal, on a tout inversé. Salut Patrick. Bonsoir. Ça va bien ? Ouais, ça va très très bien, sauf qu'en ce moment ça vole pas beaucoup. Mais c'est la gadoue. C'est la gadoue, voilà, c'est ça. Oui, c'est problématique en ce moment. On espère demain matin, la première heure. Demain il fera meilleur, je pense. Oui. Il y a du vent de prévu. Par contre, pas mal de vent, oui. Je ne sais pas si vous avez vu notre générique de début, c'était des petits baptêmes, enfin une jeune fille en baptême, oui. Et qui s'est bien bien fait secouer. Donc, je disais qu'on a repris la route. J'appuie sur tous les boutons, là. Je sais plus ce que je fais. On a tout inversé, toutes les caméras, donc voilà. On l'a un peu perdu. Donc, je disais qu'on a repris la route après avoir déjeuné à Saint-Rambert-d'Albon. Et puis, nous avons pris route. On était en route pour Salon de Provence. Oui. Parce que le lendemain matin, à 7h, on avait rendez-vous avec la base 701. Et on avait rendez-vous également le soir même, en arrivant. On a été rencontrer Bernard. Oui. Donc, Bernard, qui est une figure de la région... Ah oui, ça, on peut dire ça. Hein. Nous a très gentiment accueillis. On l'appelle la star dans le sud. Et son projet, vous allez voir, c'est de commercialiser un moteur un peu différent. On vous laisse regarder, apprécier. Salut Bernard. Salut. Alors Bernard, on est devant un Bingo. Et ce Bingo a une particularité. Il n'a pas un moteur comme on voit tous les jours. Ben viens voir. Je te montre. Je viens. Bienvenue à Aix d'abord, merci d'être venu nous rendre visite. Donc l'histoire elle est très simple si tu veux, c'est qu'il y a quelques temps on a eu avec un moteur concurrent un petit peu des soucis, puis on voulait voir ce qui se faisait entre autres outre-Atlantique, et on a trouvé une bonne piste, c'est un moteur d'origine japonaise. Aujourd'hui on le commercialise pour toute l'Europe, on a un réducteur qui est différent, qui utilise sa propre huile. Donc, ce qui évite de mélanger, si tu veux, bah, toutes les petites ferrailles mécaniques qui passeraient potentiellement dans les cylindres. L'objectif, c'est de proposer un nouveau moteur pour nos ULM. Ok. Ouais. Hein, c'est ça, c'est ouais. Ce que vous voulez faire. Donc là, tout à fait. Tu es sur une base d'un moteur d'origine japonaise, 3 cylindres, si j'ai bien compris. C'est ça. 3 cylindres avec 3 bobines, tu vois. Donc ça veut dire que chaque allumage est vraiment séparé. D'accord. On a même fait des tests où on a volé avec un seul, ça fonctionne. Sur un cylindre, sur une patte, comme on dit. Ouais, sur une patte, ouais. D'accord. Bon, alors ça boite un peu, mais ça marche. Et donc c'est un moteur à injection également. Injection. La spécificité, si tu veux, c'est grâce à ce petit tuyau que tu vois là, qui est relié à la pompe à eau, et c'est 100% d'origine. Hein. Nous, c'est un moteur qui est 100% d'origine, il n'y a aucun réglage spécifique.
c'est que tout le système d'injection est chauffé, donc ça évite les givrages. D'accord. Pour les gens qui ont l'habitude de givrer. On l'a monté sur plusieurs machines aujourd'hui. Nous, en propre, on a un Bingo avec qui on va faire les courses de stall et le Pioneer 300 qui est une machine quand même plus rapide. Les deux sont équipés d'Hélice Duke et les performances sont vraiment au rendez-vous. Donc là, on a la chance de le découvrir un petit peu en avant-première avant Frédéric Schaffen. Vous allez avoir un stand là-bas. On sera sûrement chez Duke. D'accord. Donc on pourra vous rendre visite. Et là, vous aurez un modèle d'expo, j'imagine. Alors nous, on aura le modèle d'expo sur le stand à Frédéric Schaffen. Et puis surtout, on reçoit tout le monde à Aix-en-Provence. Et ils peuvent essayer ou le Bingo ou le Pioneer. D'accord. Et donc l'idée, c'est de fournir en fait le moteur installé. C'est-à-dire ce que tu me disais, c'est qu'on vient chez toi avec la machine. Et c'est toi qui vas t'occuper du bâti moteur. C'est toi qui vas t'occuper d'ajuster les capots s'il faut ajuster les capots. Exactement, tu me demandais le tarif tout à l'heure. Aujourd'hui, on est au même tarif que notre concurrent, sauf que nous, on l'installe. Voilà. Parce qu'en fait, généralement, sur 60% des machines, il n'y a pas de modification à faire sur les capots. Là, sur le Pioneer, on n'a fait aucune modification. Par contre, sur le bâti moteur, oui, bien sûr, il y a une modification à faire. Donc du coup, nous, on a une solution informatique où on a modélisé notre moteur. On part du plateau d'hélice, on prend les mesures avec, par exemple, un rotax, pour avoir exactement les angles et tout, et on vient se mettre exactement au même emplacement que l'ancien moteur. D'accord. Donc les gros avantages de ton moteur d'origine japonaise, c'est une technologie un peu plus moderne. Une technologie qui est plus moderne, un moteur qui est un petit peu plus léger quand même, on est à 62,5 kg. Ouais. Hors fluide, bien sûr. Mais ça, tu me disais que tu avais la même chose sur ton moteur. Nous, on a un échangeur, donc on n'a pas besoin d'avoir de radiateur d'huile. D'accord. On a l'injection et comme on est sur une technologie qui est quand même plus récente, ben on gagne pas mal en consommation. Ouais, conso, puissance, donc à la base, il est un peu plus puissant. C'est pas qu'il est plus puissant, c'est qu'aujourd'hui, le moteur concurrent va à 5800 tours pour avoir sa puissance. Nous, on a pris la puissance sur l'hélice et on a vraiment les 100 chevaux sans monter hyper haut dans les tours. Et tout à l'heure, tu nous parlais de l'intérêt d'avoir un réducteur qui, lui, est d'origine américaine, si j'ai bien compris. C'est ça. Nous, on a l'exclusivité pour l'Europe de la distribution de ce réducteur. Aux États-Unis, il y en a plus de 400. Ouais. Celui qui gagne chaque année à Oscotch, c'est Stephen Ree. Il a ce moteur-là et il a ce réducteur-là. Bon, lui, il a mis un gros turbo, il fait 350 chevaux, mais ça, c'est une autre histoire. C'est pas tout à fait la même réglementation aux États-Unis. C'est surtout pas la même réglementation. Aujourd'hui, nous, on est parfaitement en règle. On a passé le cap du W. Le moteur a été enregistré par les services de la DGAC, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une modification majeure, qui est juste de l'administratif, mais le moteur est déjà enregistré. C'est-à-dire que n'importe quelle machine, la démarche sera très facile à faire. D'accord. OK. Tu vois, concernant le réducteur, accessoirement, on a un petit truc qui est rigolo, c'est qu'on a un contrôle très rapide. Ouais, des niveaux. Des niveaux, de la couleur de l'huile aussi. Et pour faire la vidange et le remplissage, en fait, vidange, on dévisse, remplissage, on visse. On dévisse cette petite vis-là, on remplit par en haut. Dès que ça déborde, tu revisses la vis, t'arrêtes de remplir. Et t'as ton niveau. D'accord. C'est la même huile que le moteur. On peut aussi mettre une huile plus typée boîte. Mais nous, on utilise une 1040, qui est la même huile que le moteur. Ouais, tu parlais tout à l'heure de l'intérêt de ne pas avoir de communication au niveau de la lubrification entre le moteur, entre le bloc moteur et le réducteur. Ce qui fait que ça évite de mélanger les éventuels... l'email créé par l'un ou par l'autre, quoi. Voilà, la comparaison, elle est très simple, si tu veux. C'est comme si en voiture, on n'avait pas une boîte et un moteur. Mm. Là, tout se mélangerait, ça ne serait pas bon. Là, tu as vraiment l'huile du réducteur avec l'email du réducteur qui reste dans le réducteur. D'accord. Et puis donc, on a forcément deux pompes, hein, par sécurité. Oui, alors là, ça, c'est notre modèle pour faire tous les tests. Si tu veux, on a deux pompes. Deux pompes, ouais. Évidemment, ça c'est classique, hein. T'as sur le petit dashboard la fuel pressure, la consommation, etc. Si t'as un problème de pression, tu bascules sur la deuxième pompe. D'accord. Et très important pour l'injection, on a une vraie injection avec une sonde lambda, une sonde de température en boîte à air et une sonde de pression d'air, ce qui va permettre à l'injection de faire son travail et donc de bien réguler le mélange air-essence en fonction de l'altitude. Ok. Donc en attendant Oshkosh, on peut venir voir tes moteurs tourner à Aix-les-Milles. Exactement.
Et sinon, bah, on attend Oshkosh et on vous retrouve sur le stand, a priori, Duc. Alors, c'est pas Oshkosh, c'est Friedrichshafen. Oui, alors, c'est ça. On sera peut-être à Oshkosh aussi. Non, mais c'est pas grave. C'est pareil, je me comprends. Donc, en Allemagne, on va dire. Bah, merci beaucoup, Bernard. Ah, et surtout, n'hésitez pas à venir nous voir. Ça marche. À plus. Salut. Voilà, vous savez presque tout sur le moteur d'origine japonaise. Donc, le site n'est pas encore online. Mais il y a un petit PDF qui tourne que vous pouvez récupérer. On vous mettra un le petit lien dans la description vers l'adresse de Bernard. Et donc, vous avez comme ça 8 pages d'informations. Donc, c'est plutôt sympa. Et bah, n'hésitez pas à contacter Bernard. Vous avez d'ailleurs juste les mails ici. Mais de toute façon, on vous mettra les liens dans la description de la vidéo. Ouais, je change de caméra comme ça, je sais plus. Patrick, comment oui, ça se passe? Toi, tu as un magnifique Alpha Trainer. Est-ce que tu en es content? Oui, tu le sais, j'en suis très très content. C'est une superbe machine, tous les intervenants dans ton émission te le disent. C'est toi-même, tu as vraiment découvert cette machine il y a de ça quelques mois. Et c'est vrai que tu n'en fais que des éloges. Voilà, oui, mais donc, toi, tu as des aérofreins, nous, on n'en a pas. Oui, alors les aérofreins, en effet, c'est une machine qui a une finesse énorme. Donc, en effet, sont très utiles à l'atterrissage, c'est clair. Mais il faut s'entraîner quand même sans aérofreins. Il faut essayer de se poser sans aérofreins. Comme tout système, le jour où il tombe en panne ou qu'il est défectueux, il faut pouvoir se poser. Mais attention, c'est une machine qui drop. Hein, donc, à l'atterrissage, il ne faut pas se faire avoir, quoi. Les vitesses d'approche sont assez... Enfin, tout du moins, la machine porte. C'est pas que les vitesses sont importantes, c'est que la machine porte énormément et ne veut pas se poser. Elle ne veut pas poser. Voilà, elle refuse. Voilà. Bah, nous, on s'entraîne tous les jours sans voler. Sans aérofrein, je veux dire. Et bah, c'est très bien. Oui, du coup, oui. C'est très, très bien. Parce qu'on n'a pas le choix, on n'en a pas. Voilà, on n'en a pas, voilà, tout à fait. Mais c'est une très bonne école, ouais, parce que le jour où tu les as, c'est un véritable plus, quoi. Hein. Voilà. Ben on les a pour l'instant sous forme d'une aile un peu abîmée, excellent, donc il faut qu'on la fasse réparer. Oui. Mais on attend une pièce encore pour pouvoir commencer les démarches. C'est pas encore gagné, mais ça va se faire. C'est loin d'être fait. On reprendra notre périple en voiture, un peu plus tard, notre tour de France tout à l'heure. Même si ça en fait partie finalement. Oui. On a donc on a envie de parler un petit peu fédération. Bien sûr, il va y avoir des élections au mois de décembre, donc les gens commencent un petit peu à réfléchir à ce qui va se passer. Nous, on a décidé de donner un peu la parole à des personnes qu'on apprécie. Donc, on a été voir Peyo. Peyo, on lui a parlé mécanique, comme d'habitude. Mais on lui a aussi posé quelques questions sur, si j'arrive à le trouver, sur la fédération. La fédération, c'est une locomotive qui doit tirer tout un tas de wagons, parce que c'est pas autrement. Et tous ces wagons, il y en a un qui porte le charbon, l'autre il porte le wagon restaurant. C'est très important le wagon restaurant, parce que s'il n'y a pas à bouffer, il n'y a personne qui vient. Donc après, il y a le wagon pendulaire, le wagon ballon gonflable, enfin tout ce que tu voudras. C'est ça la fédération. Il y a les constructeurs aussi. La fédération, c'est ça. C'est pas qu'une assemblée générale qui raconte des conneries une fois par an. C'est pas ça. Et c'est ça que devra faire le prochain président. Je suis sévère, mais de toute façon, si on ne comprend pas que c'est un tout qui doit marcher ensemble de manière bien ordonnée, un pagaille bordel, ça n'a jamais marché. C'était quoi ta phrase? T'as dit quoi? Un pagaille bordel, ça n'a jamais marché. Voilà. Ce n'est que le début. Oui. Patrick, t'es à Life Plume, toi? Oui, je suis à Life Plume. Je suis président d'un club depuis 20 ans, qui aujourd'hui est une coquille pratiquement vide, puisqu'il s'appelle Grand Vol Paramoteur. J'étais donc professionnel pendant 20 ans à LFPA, donc persan, en tant qu'instructeur paramoteur.
J'ai arrêté mon activité fin 2022, mais le club existe toujours, la structure existe toujours. Il y a toujours un secrétaire, un président. Mais en réalité, tous les pilotes ont été transférés sur le deuxième club paramoteur qui est à Persan. Donc vous connaissez Sébastien Caron, et qui est donc président, qui est une personne que j'ai formée il y a une quinzaine d'années. Sébastien, qui est un pilote hors pair, et on trouve dans le paramoteur, qui fait beaucoup sur Persan-Beaumont. Et donc tous les pilotes de grand vol paramoteur sont chez Reflex Team maintenant. Et voilà, et moi-même, je suis redevenu un pilote. Je ne fais plus d'instruction. Je suis en retraite. Et au niveau du paramoteur, c'est la convivialité du paramoteur que je retrouve à Persan chez Sébastien. Et voilà, mais ça, on le sait, le véritable ULM, enfin, on ne va pas faire trop de pub, le véritable ULM, c'est le paramoteur et toute sa convivialité qui va avec. Et aujourd'hui, en tant que pilote multi-axe, parce que je suis pilote multi-axe dans un autre club, au club du Lys, ma machine est au club du Lys, j'avoue franchement, ça manque d'ambiance. Voilà, ça manque d'ambiance et on a envie de dynamiser tous les clubs de Persan. Parle pour toi. Parle pour eux. Pour moi parce que c'est un sentiment général que j'ai. Par contre, oui, individuellement, il y a peut-être des clubs qui marchent très très bien et où il y a beaucoup de dynamisme. Mais je trouve que ça manque un peu de dynamisme. Voilà, on traverse une période. Pas facile. Un petit peu difficile quand même. On a quand même moins de monde cette année, on est quand même on voit bien sur le terrain, par exemple mardi on a fait 4 baptêmes, on était les seuls à voler, il y avait personne, bon il y avait un petit peu de vent, mais en semaine on peut dire que c'est très très calme, on peut dire que c'est la crise, les gens n'ont plus d'argent, et du coup nous on a bien beaucoup moins d'inscrits cette année et ça bouge moins, on peut le dire. On retrouve tout de suite Peyo, à qui on a posé la question du Tour de France. Qu'est-ce que tu penses, Peyo, du Tour de France ? Salut, Peyo. Bonjour. Alors, Peyo, il va y avoir un petit changement à la Fédé au mois de décembre. Il va y avoir peut-être un peu de sang neuf. Et je voulais te demander, toi qui as connu toute l'histoire de l'ULM, on va dire, depuis le début. Du premier président jusqu'à celui-ci. Voilà. Donc, tu as vraiment vécu l'histoire de A jusqu'à Z. J'aurais voulu avoir ton sentiment sur ce qu'il faudrait faire, ce que toi, ton avis, qu'est-ce que tu suggérerais, qu'est-ce que tu proposerais. Alors, je voulais commencer par le Tour ULM. Le Tour ULM, il s'est arrêté. Et aujourd'hui, il n'y a plus de Tour ULM. Alors, est-ce que, par exemple, tu relancerais le Tour ULM ? Je ne sais pas si je le relancerai, mais j'essaierai. Voilà. J'essaierai, parce que c'était quand même une sacrée image partout, et c'est une image qu'on déplaçait dans toute la France. C'était pas qu'une image parisienne, c'était une image sur tous les terrains, près des gens. Le Tour de France, ça a été quelque chose d'extraordinaire, oui. Et je l'ai suivi pendant 20 ans. Ah oui, tu les as tous faits ? Non. Pas tous ? Non. Mais quasiment, toi tu le faisais avec... Je m'occupais de la mécanique, et c'était Avirex qui faisait la mécanique avant moi. Quoi. D'accord. Donc ils l'ont fait 3 ans, je crois, 2 ans ou 3 ans, je ne me souviens plus. Et un jour, ils ont décidé de ne plus revenir. Dominique Mérez m'a dit « Peyo, prends tes valises et tu viens avec nous ». Et je suis parti et je l'ai suivi pendant 20 ans. Et c'était... Comment tu pourrais décrire cette ambiance ? Ah, c'était très particulier, et c'était quand même quelque part, au départ, l'ambiance du début de l'ULM, celle que certains cherchent, hein. Et puis ensuite par nécessité, parce qu'on avait beaucoup de pendulaires au début, et puis le pendulaire a pas disparu, mais enfin, il a été bien remplacé par du multi-axe, et du coup, la clientèle du Tour, eh bien, c'était plus tout à fait la même. Du même coup, l'esprit changeait aussi. Donc, c'est l'évolution, c'est tout. Hein, c'est que tout le monde le connaît. Ça restait sympa, mais quand même. C'était super sympa.
Ça se passait relativement bien. Bon, alors, c'est ce qui était marrant, c'était que les deux, trois premiers jours, c'était fantastique, les gens étaient décidés. Le troisième jour, on commençait à sentir des petits brins de fatigue apparaître, alors liés à la fatigue, des petits énervements. Et c'est mon tour de passer à la boostifaille, c'est mon tour de ceci, de cela. Bon, des petites histoires comme ça, c'était marrant. Bon, mais on savait, on avait tellement l'habitude que... Voilà. Donc à refaire. À mon avis, oui. Oui, c'était une grosse erreur. Alors, Sébastien Perrault a fait le tour des jeunes pour essayer de relancer quelque chose, mais enfin, c'était quasi voué à l'échec, parce que des jeunes n'ont pas le budget pour suivre des périples pareils, parce qu'on part 8 jours, ça pose des problèmes, qu'on le veuille ou pas, techniques, pour les héberger le soir. On ne peut pas héberger des jeunes comme ça dans la nature, sous une tôle de tente, dans la sauvage, hein, c'est pas possible. Il y a un problème de responsabilité énorme. Donc ils se sont débrouillés, et ils ont fait ce Tour de France. Mais bon, finalement, il n'y avait que 8 jeunes. Hein, c'est pas un objectif, quoi. Ouais. Donc le tour des jeunes, c'est sympa, mais ça sert à rien en gros, quoi. Pour l'image, c'est pas vraiment une stratégie. Pour les jeunes. Enfin, je dirais en termes pour l'ULM en général, ça va pas. Pour les jeunes, ça. Si, c'est un Tour de France, mais en fait, il y avait 14 équipages cette année. 14 équipages, ça fait le dixième de ce qu'il y avait précédemment. Et ce qui était le charme, enfin, la force de. Qui montrait la force de l'ULM, c'était justement cette caravane qui suivait toutes les 130 machines qui arrivaient en vol, qui repartaient en vol, tout ce personnel qui arrivait pour se mettre à table, pour faire le plein d'essence. C'est une sacrée vie qu'il y avait, c'était vraiment le village ambulant. Hein. Et en plus, ça ne coûtait pas extrêmement cher à la Fédé. Ben non, normalement c'était auto-équilibré. Bon, un coup il y en avait un petit peu qui restait, un coup il en manquait, bon, mais ça c'est comme toute organisation. Mais il n'y avait pas de somme mirobolante là, qui partait en fumée du tout. Oui. Et le tour ULM ne coûtait pas très cher pour les participants. Et il ne coûtait pas très cher non plus pour les participants. C'était, disons, abordable. Quoi. Ah c'était oui, pas, tout à fait. Je c'était confirme. Pas se saigner pour toute l'année. Voilà. Alors la difficulté maintenant, c'est que le bénévolat, ben, qu'on le veuille ou pas, il disparaît. Mais je trouve qu'à l'époque où on faisait le tour, au début il y avait des volontaires, puis après on voyait que c'était un peu plus difficile, mais on trouvait quand même des volontaires, hein, parce qu'il y avait une espèce d'image de marque. Les gens étaient fiers de faire partie de cette caravane. Aujourd'hui, il n'y a pas de caravane, il n'y a rien. Il y a 3-4 bagnoles qui suivent, puis ouais. Avec une remorque pour aller chercher des bidons d'essence, c'est pas. Il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image. Il n'y a rien qui. J'ai vu personne aux étapes que j'ai suivies qui soit venu voir le Tour de France ULM. Ouais. J'étais même du milieu ULM, à Nogaro par exemple, j'y étais, et j'étais le seul. Local, allez voir. D'accord. Il n'y avait rien. Ouais. C'est très confidentiel. Il veut le refaire, apparemment, ce que j'ai entendu, mais bon, c'est pas grand-chose, parce qu'on est quand même. Je sais pas quel jour de mai. De mars. 23 mars. Ouais. Donc on arrive fin mars, on ne sait pas trop. Il y a un programme qui a été avancé de parcours, mais bon. Ça dégage pas beaucoup de mouvement, je trouve. Bon. Merci Peyo. On retrouvera Peyo, ouais. Ouais, pour parler plutôt mécanique. Ouais. Patrick, tu parlais justement du paramoteur. C'est un sujet intéressant puisque nous, on n'est pas du tout paramoteur et on ne se rend pas vraiment compte puisque les paramoteurs, souvent, ne volent pas au même endroit. Donc tu vois ce que je veux dire, et ce que j'ai constaté, c'est que vous, quand vous vous retrouvez sur le terrain, bah, vous êtes tous au même endroit. C'est-à-dire que nous, on est partagés entre les clubs, un club dans un hangar, dans un autre hangar, etc. Donc les gens ne se croisent pas. Nous, Easy to Fly, on a quand même pas mal d'élèves qui se baladent un petit peu partout. Oui. On a créé, je pense, j'espère, un peu d'émulation et un peu de vie sur le terrain. Mais...
clairement, vous, le paramoteur, vous êtes tous sur le même, dans le même champ, à vous retrouver tous. Et je sens bien que ça crée des liens, en tout cas. Tout à fait. Ben oui, déjà, on arrive tous avec notre machine sur le terrain. On n'est pas logé dans des hangars. Hein. Donc, en effet, dans la voiture, on a le matériel. Donc, on arrive sur le terrain. On arrive sur la fenêtre météo, parce que le paramoteur, pour qu'il soit agréable, acceptable en termes de vol, on vole vraiment sur de la fenêtre météo, donc tôt le matin et tard le soir. Et donc, ben, y a un attroupement, généralement, qui se fait sur le terrain, parce que les fenêtres, on n'en a pas tous les jours, forcément. Pour revenir un peu sur le club, actuellement, qui est à Persan-Beaumont, Reflex Team, tenu donc par Sébastien Caron et son équipe, il faut savoir qu'ils ont un compte WhatsApp qui est hyper actif, et tout le monde est sur le pied de guerre dès que ça va voler, quoi. Hein. Et Sébastien, c'est vrai, aurait tendance même à se plaindre, des fois, de dire, il relance ses élèves en disant, hey, les gars, c'est ce soir ou jamais. Hein, et après, ce sera que dans 5 jours. Et même là, en effet, il se plaint lui-même de ne pas avoir forcément tous les élèves sur le terrain le soir. Donc, en effet, il y a une perte de dynamique dans le monde de l'aéronautique parce que les gens, je pense, sont très occupés au niveau familial, au niveau professionnel. Ce n'est pas une question de coût pour le paramoteur parce que le paramoteur reste quand même une activité modérée en termes de coût. Mais ce n'est pas qu'une histoire d'argent en réalité, c'est une histoire de disponibilité aussi. Et là, on le voit bien avec le paramoteur qui, lui, est quand même une activité très sensible par rapport à l'aérologie. Bah, les gens ne sont pas systématiquement sur le terrain. Moi-même, quand j'étais instructeur, à la fin de ma carrière, je ressentais de plus en plus ce genre de situation. Il y avait aussi l'histoire de faire voler des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, des gens du 9-3, entre autres. On a eu beaucoup d'élèves de ce département qui étaient populaires et peu riches. Mais même à la fin, on sentait un problème de disponibilité des gens. C'est donc pas qu'une histoire d'argent. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a le côté barbecue le midi. Alors bon, attention, hein, barbecue et uniquement barbecue. Faire attention. À Persan-Beaumont, il y avait une petite connotation, c'est vrai, très festive sur la 0523 désaffectée par rapport à ça. Moi, j'y ai participé. On était deux clubs à l'époque. C'était Dominique Chelou qui tenait le club Reflex. C'est vrai qu'il y avait de l'ambiance, il faut l'avouer. Il y avait une très très bonne ambiance. Et on a des acteurs dans le monde du paramoteur qui savent maintenir aussi et qui ont su faire au niveau de la fédération justement bien faire monter l'activité et rendre l'ULM très populaire au travers du paramoteur. On le voit très bien. Moi, je vois avec Erwan Garel qui est photographe pour la fédération, qui est à Vélizy, qui est en charge le suivi de l'équipe de France. C'est une activité qui est très fédératrice en réalité, qui montre une belle image de l'ULM et de voilà, on le voit à Blois, on le voit dans toutes les manifestations. Donc le paramoteur tire vers le haut l'ULM quand même en termes d'image et en termes de festivité, de côté ludique. Le multi-axe, c'est différent, c'est vrai que les gens sont plus individuels dans des hangars, c'est pas du tout la même philosophie, c'est clair. Alors ici à Persan-Beaumont, moi qui suis maintenant essentiellement multi-axe, je fais du paramoteur et justement j'étais en train de me demander si j'allais continuer. Mais non, du coup, je vais continuer à faire du paramoteur pour ce côté festif et retrouver les copains. Parce que voler pour voler, ça sert à rien. Voler pour partager avec les autres les vols, les repas, les barbecues et les anecdotes, c'est quand même génial, quoi. Voilà, et c'est mon ressenti aujourd'hui. Alors, ce qui est sympa à Persan, c'est que Sébastien Caron, dont tu parles, vient de créer, enfin, il n'a pas créé, mais il a refait renaître son association issue familiale, on va dire, Caron Aviation, et ils ont acheté un Eurostar. Tout à fait, oui. Et ils vont commencer par former, justement, tous ces pilotes de paramoteurs qui, finalement, ont donc quand même envie de voler sur du 3-axes. Tout à fait. Et je crois qu'il en a au moins 14 ou 15 qui vont passer leur brevet. Oui, et il a financé l'avion avec les futurs élèves, c'est-à-dire qu'il n'avait pas les moyens de s'acheter un Eurostar avec ses propres moyens. Donc il a pris un minimum de crédit, mais il a surtout, ici, il y a des pilotes de paramoteurs, et peut-être d'autres également, qui se sont engagés sur des forfaits suffisamment conséquents pour couvrir le coût de la formation et de lui permettre de s'acheter cette machine. Et comme le dit Sébastien, bon, c'est une nouvelle vocation, mais c'était pas forcément ce qu'il voulait. Il voulait faire partager, parce que c'est un pilote avion, hein, il vole aussi, sur son stamp, là on le voit qu'il est en train de bricoler sur son stamp, il s'arrache les cheveux d'ailleurs à régler les haubans dans tous les sens, la machine n'est jamais droite. Un stamp, quoi. Un stamp, quoi, voilà. Et donc,
Donc Sébastien, c'est un grand passionné d'aéronautique. Et dans le monde du paramoteur, moi, je vois comment il agit au niveau de son club, parce qu'il est quand même président, et je l'ai été pendant pas mal d'années. C'est pas évident de gérer un club, surtout dans le monde du paramoteur, où les gens sont un petit peu électrons libres. On aurait tendance à pas toujours respecter forcément les règles. Eh bien, moi, je tire mon chapeau, parce que quand on voit tout ce qu'il fait, ben, bravo. Bravo à lui, et pour Persan Beaumont, c'est très, très bon. Très, très bon pour Persan. Voilà. En effet. Bravo Seb. Bravo Seb. Voilà. On se retrouve au resto demain. On va continuer un petit peu sur notre périple. Donc on était au mardi et puis mercredi. On a dormi. Voilà, mercredi, rendez-vous à 7h du mat sur la base de Salon de Provence. Ouais. On a tourné jusqu'à 17h à peu près. Et à 17h, on a pris notre matos, notre voiture. Ouais. Et on est allé faire un petit tour à Salon Aiguière. Aiguière, c'est ça. Et là, bah pareil, on est allé frapper aux portes, on n'a prévenu personne. On a débarqué là-bas et on a rencontré... Johan. Bonjour Johan. Et bonjour. Bienvenue à l'Aéroclub Nostradamus. Bon bah super, là tu es... On est où déjà à Saint... À Aiguière, à Salon Aiguière, dans le sud de la France. Je suis perdu. Alors là, on est devant ton projet. Oui. Qui est de refaire un... Un Shadow, un CFM Shadow, c'est une machine qui date de fin des années 80, anglaise. Un peu bizarre, parce que c'est un propulsif biplace en tandem, et qui a eu une longue histoire, parce que le concepteur l'a bien poussé. Il y a eu quasiment 400 exemplaires de produits à l'époque, et qui a servi de manière délirante des militaires en Inde jusqu'à la DEA aux US. Et celui-là a servi à faire des tournages de films, entre autres Dragon Earth, par exemple, où il a servi à faire les vues de dragon, tout simplement. Et c'est un appareil donc, qui vient d'Angleterre, c'est ça ? C'est les Anglais qui l'ont conçu ? C'est les Anglais qui l'ont conçu, et en l'occurrence, c'est des amis de l'équipe nationale d'Angleterre qui me l'ont amené, suite à une compétition qu'on a organisée ici l'été dernier. Un des pilotes avait ce type de machine-là, me l'a fait essayer, j'en étais conquis directement pour les besoins de la compétition. Et donc, m'a trouvé ce kit à finir, à refaire, en fait, parce qu'il avait été trop modifié pour les besoins des tournages de films. Et donc, je me suis retrouvé embarqué dans construire et moderniser cette machine, puisque bah, aussi, l'idée, c'est d'utiliser un Yamaha 80 chevaux comme moteur, à la place du 503 qui allait à l'origine, du 503 et du 582. Et donc ça, c'est une espèce de nouveau moteur de nouvel assemblage qu'on commence à voir dans le coin, importé par des amis BF Motors, qui a l'avantage d'avoir le même poids que le 582. Donc pas de problème de centrage ou de rééquilibrage si on le met en place. Mais par contre, 80 chevaux et injecté. Un magnifique réducteur. Et ouais, réducteur usiné pour l'occasion, pour les besoins de ce moteur-là. Ah, c'est beau, c'est magnifique. Ouais. Donc ça, c'est le moteur que Bernard va importer. Exactement. Voilà. Et alors là, ici, donc, c'est toi qui as refait cette partie-là ? Oui, j'ai récupéré le kit que j'ai modifié pour mes besoins, en fait. Avec, entre autres, des particularités, c'est que vu que je vole énormément en compétition, un des objectifs, c'est de faire du repérage photo. Et donc, typiquement, avec l'aide de Canardia et des instruments de Canardia, en fait, j'ai simplifié au maximum le tableau de bord pour qu'il n'y ait que des instruments moteurs, les instruments de vol, le compas. Et tout devant, ça va être une bulle transparente que je vais pouvoir... utiliser pour opérer correctement les photos et faire de la précision d'atterrissage. Alors moi, tout à l'heure, je t'ai dit, on dirait du carton. Effectivement, mais... c'est quasiment ça. C'est du fibrolame, ça sert entre autres sur les planchers des avions de ligne. Et donc c'est une structure composite avec du nid d'abeille qui est en sorte de carton un peu dur et résine autour, qui permet une grande solidité en fait. Ouais. Et toute la machine est suspendue sur ça. Quoi. Donc c'est extrêmement léger, mais c'est aussi extrêmement résistant, j'imagine. Exactement, léger et résistant. Léger au point que, moteur inclus, on devrait être dans les 150 kg. C'est un propulsif, effectivement. Ouais. Donc c'est le moteur qui va se nicher là-haut. Qui va se nicher derrière, à l'arrière, ici, là. Quasiment à hauteur de siège, hop, à la place de l'aspirateur. Ici, on aura le moteur qui va se mettre et qui va être sous la poutre de queue qui se trouve ici et qui va permettre donc du coup c'est une machine qui est vraiment intéressante et le concepteur en plus David Cook a une histoire qui est vraiment intéressante aussi il a écrit un bouquin qui est assez intéressant sur les performances sur l'aéronautique c'est une machine
a eu à un moment donné le record du monde d'altitude en ULM. Ils sont montés à 30 000 pieds avec quand même. Ah oui. Avec cette conception-là. Et un 582. Dingue. Et tu me disais en plus qu'ils avaient fait des tests, les Anglais, ouais. Et ils partaient pas en vrille. Exactement. Bah, en Angleterre, ils ont l'obligation de tester les sorties de vrille sur les machines qui volent chez eux. La CAA n'a jamais réussi à mettre cette machine en vrille. Donc elle est officiellement résistante à la vrille. Ce qui est quand même sympa. Oui. Bah, surtout voilà, en compétition en monoplace, le but du jeu, c'est on n'est jamais à l'abri d'une erreur humaine. Donc si la machine nous met en sécurité, c'est toujours mieux. Quoi. Super. Eh bien, écoute, on va le voir quand en vol. Normalement, on dirait pas comme ça, mais d'ici un mois ou deux, il est en vol. Au championnat de France, il y sera. Championnat de France, ouais. Qui ont lieu. Qui a lieu fin mai, dans le nord-ouest de la France. C'est les championnats de France de quoi? De Microlight, donc Classic Class, de ULM. Donc c'est de la course d'orientation, grosso modo, mais dans les airs, avec du repérage photo, avec du vol de précision, où on est à la seconde près pour passer des portes, ce genre de choses-là. Et on vole à 250 mètres près, grosso modo. Génial. Eh bien, Johan, merci beaucoup. Merci. Alors, quand on est pressé de voir cette machine voler, parce qu'on se demande dans quel sens elle va voler. C'est vrai, oui. Mais on a hâte de voir ça. Donc, merci, Johan, pour ton accueil. On te retrouvera tout à l'heure où tu vas nous présenter un petit peu le club. Le club, oui. On a également rencontré Jean-Pierre, lui, dans son hangar. C'était pas le même jour, je sais plus, mais... C'était le lendemain, il me semble. Parce qu'après chaque tournage à la base on 701, on allait faire un petit tour à Salon Aiguière. À Salon. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Donc Jean-Pierre, on est dans ton hangar. On est où déjà? C'est comment le nom? Salon Aiguière. Salon Aiguière. Donc on est tout près de Salon de Provence. On est dans ton petit hangar. Tu es tout seul, tu as plein de machines, tu as plein de jouets. Ouais. Alors qu'est-ce que tu as comme jouet? Alors il y a une souris 7. Donc là, on voit derrière une souris 7. Voilà. Et un MCR. Un MCR. Voilà. ULM. Oui. Tout est appelle... ULM, là. Tout est ULM, maintenant. Hein. Qu'on appelle le flamant rose. Oui, c'est ça. Pas loin de la Camargue. Ah oui, voilà. C'est pour ça. Après, en haut, là-haut, il y a un autoplume. Donc, il y a l'aile, le fuselage. Voilà. D'accord. Et là, on a repéré un truc qui nous a énormément surpris. C'est de voir une hélice en bois... Alors, comme on est jeune dans l'aviation, on n'a pas connu, mais une hélice en bois... Hyprops. Alors, il y a un petit peu, peut-être, quand même, de quelque chose de carbone, là, transparent, ou de la fibre. Ouais. Alors, c'est un vieux 503 qui doit avoir une vingtaine d'années, un truc comme ça. Ah oui. Moi, c'est réducteur courroie. Courroie, d'accord. Simple allumage, simple carbu, donc c'est increvable. Donc, ça fait des années que tu voles? Bon, ça fait plus de 50 ans. 50 ans, d'accord. Tu as fait quoi avant? Tu as été pilote professionnel? Non, j'étais électronicien à l'armée de l'air. Ouais. Je faisais l'école des arpètes. Après, j'ai fait un peu à la série, puis un peu dans la chimie à la fin. Enfin, 30 ans dans la chimie après. D'accord. Voilà. Et l'ULM, ça t'est venu très tôt? Ben, ça a été l'avion, après, bon, un aéroclub, construction amateur. En même temps, vol à voile, moniteur vol à voile. Voilà. Et puis après, bon, les machines. Bon, le MCR, non, j'ai acheté lui, mais le reste. Tu fais toi-même. Voilà. Et tu as passé ton brevet ULM en quelle année? Il y a une quinzaine d'années par là, je ne sais pas. D'accord. Oui, ok. Bon, les dates, je suis fâché avec. Bon, et là, il y a une autre machine en construction ou en déconstruction? Ben, c'est en construction, je veux dire. Bon, là, c'est un premier assemblage. Après, il restera à faire l'entoilage de la partie arrière, finir la partie avant, mettre un moteur et les instruments. Alors, tu me disais que c'était un avant de G1. Oui, c'est ça. Une cage de G1. Une cage de G1, oui. Une cabane de G1. Oui, avec un arrière de P130. La largeur à l'arrière est la même que le couple du G1, sauf les arrondis. Donc, ça tombe bien pour les renforts, pour tout. Là. D'accord. C'est comme si tu avais pris un animal, tu l'as coupé en deux. Et on a rebooté les deux. Tu as mis à l'avant un lapin et puis à l'arrière un mouton, quoi. Une greffe à l'arrière. Donc, très bien. Intéressant. On a hâte de les voir voler. Bon, je pense l'année prochaine. Très bien. La SAR, disons, l'autre plume, je vais le vendre. Ouais. La souris 7 aussi, hein, que je me débarrasse, c'est trop de choses. Ouais. Et je ne ferai pas tout. Très bien. Et alors, ce terrain, m'a-t-on dit, est un petit peu menacé?
Ben, il est menacé parce que le maire, disons, voudrait en faire un aéroport international pour le tourisme. Ah oui, hein, avec piste béton, des avions réaction, hôtel 5 étoiles, voilà. D'accord. Donc raser tous les hangars qui nous appartiennent, ouais. Hein, ça faut le dire. Voilà. Il veut tout raser, tout refaire. Bon, il y a des procès en cours. Ok, on verra la suite. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour la visite, Jean-Pierre. Mmh. Bientôt. Pas de problème. Au revoir. On se demande s'il y a des terrains qui ne sont pas menacés en France. Oui, ça devient compliqué. Hein. Et surtout pour faire ça. Tout à l'heure, Patrick, hors antenne, tu nous parlais un petit peu de Persan, des débuts de Persan. Tu disais que tu étais là, toi, depuis très, très longtemps. Oui, je suis arrivé à Persan-Beaumont quand j'ai quitté l'armée. J'étais mécano-avion dans l'armée. Je travaillais dans des compagnies aériennes en tant que mécano, en intérim. Et donc, j'avais du temps de libre. J'avais passé... Alors, au niveau avion, moi, j'étais lâché. J'avais 15 ans et demi à Cuers. Dans le Var, parce que j'étais dans la Marine nationale, et je prenais ma mobylette et je montais du groupe des écoles de mécaniciens de Saint-Mandrier avec ma mobylette tous les week-ends. Papa, maman, de temps en temps, mettait un petit billet dans la caisse pour que je puisse continuer à voler sur rallye sans chevaux. Et le gars qui m'a formé, d'ailleurs, j'en profite, le gars qui m'a formé, quand j'ai voulu acheter mon Alpha Trainer, je cherchais et je suis tombé sur un gars qui vendait un Storch à un moment donné. Et il me dit, oui, c'est mon fils qui le vend. Il me dit, excusez-moi, j'ai pas trop de temps. Là, on m'emmène en hélicoptère à Monaco. Donc, le mec, plein de thunes. Et il me dit comme ça, mais j'ai dit, vous êtes où? Mais il me dit, je suis à Cuers. Ah, je vous dis Cuers. Si je vous dis Dalicio. Ah, il me dit, oui, Dalicio, il est toujours vivant. Donc, le gars qui m'a formé, alors j'avais 15 ans et demi, est toujours vivant. Donc, si à l'occasion, vous allez à Cuers, notez Dalicio, monsieur Dalicio. Bon, il paraît qu'il est encore vivant. Genre, on y va de temps en temps. Je vais tout faire pour le rencontrer, ce mec-là, parce que... C'est un peu notre étape quand on va en Corse. Oui. Donc, Persan, tu me parlais du début, du tout début, quand vous étiez sur la piste désaffectée. Tout à fait. Et quand je suis arrivé donc après l'armée, en 81, 82, donc il y avait une bande de joyeux dribbles qui était déjà sur la 0523, donc Magalon, Hugo, Alain Dumétier... Et à l'époque, il y avait un club qui s'appelait le Golfo Club, qui était tenu par un gars qui s'appelait Didier Michelet, qui s'est même fait mettre dehors d'ici, puisque c'était un monsieur un peu spécial. Il avait les billets dans le jean. C'était un ancien chauffeur d'autobus avec des Santiago et très bon pilote qui n'est pas mort hein, aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est pas un mauvais pilote puisqu'il est encore vivant. Il faisait vraiment des grosses bêtises. Je pense qu'il a même dû faire des articles dans des revues comme Penthouse ou des choses comme ça où on passe sur le dos. Et à l'époque, on avait, comment il s'appelait, Patrick Lemonnier, qui malheureusement nous a quittés il y a de ça quelques années, qui avait créé le Maestro, le premier ULM à entoilage, on va dire, rigide, hein, puisque c'était un entoilage thermotendu, et qui est une machine hyper performante. On avait à côté de ça Guy Lohou du club Beaumontois, qui est le hangar qu'on a en face, qui s'appelle Paris Nord, mais qui à l'époque était un hangar en bois, et qui lui volait sur du Patrilor, qui était la machine de Patrick Lemonnier, ses premières machines. Et donc, moi, à 20 ans, quand je venais sur le terrain, entre deux missions d'intérim, mon seul souhait, c'était qu'on me mette le cul dans une machine, qu'on me prête une machine, un baroudeur, et j'allais faire des baptêmes. Voilà. Au passage, et c'était les machines qui étaient stockées sur la piste là-bas. Hein. Attention, on avait toute l'année, les machines étaient stockées, on n'avait pratiquement pas de hangar ici. Et voilà, donc c'était la belle époque. Voilà, c'était... Je voulais juste dire au passage que Alain Dumétier et Hugo sont encore là. Oui, oui, tout à fait. Alain va bientôt, je crois, déménager, à titre privé, va déménager. Ça m'embête beaucoup d'ailleurs, parce que je le connais depuis très longtemps. Hugo est toujours là. Voilà, on est très content qu'il soit toujours là. Ah oui. Et à 78 ans, je crois, hein, Hugo, c'est ça. Il est toujours en train de faire l'école. Je ne connais pas son âge. On ne connaît pas vraiment son âge. Il fait tellement jeune, ça. Exactement. Hugo, et puis surtout, ça, il fait partie de ces pilotes sur qui on peut compter. Oui, c'est une bonne patte. Voilà, on peut compter sur lui, il peut compter sur nous. Et puis, il est très compétent en termes de mécanique également. C'est clair. Il entretient toutes ses machines. Et tu disais qu'à l'époque, c'était relativement populaire. Enfin, c'était très populaire, qu'il y avait Coluche, il y avait Splendide. Oui, on avait la bande du Splendide de temps en temps qui venait sur le terrain. Donc, Michel Colucci, Luis Regos, Madame Lavanan et compagnie. C'était pas tous les quatre matins, mais quand ils venaient, bon, on les voyait, quoi. Ils étaient... Monsieur Michel Colucci faisait des burns avec ses motos au bout de la piste. Bon, il n'y avait pas que lui hein, qui faisait des...
des pérégrinations au bout de la piste. Je crois qu'il y a même Jean Salis, c'est pas Jean Salis, c'est comment il s'appelle, ouais, le gars qui faisait les, pour René Château là, qui faisait bien les... sûr, oui, j'ai été faire une émission sur lui justement à la Ferté-Alais. Tu parles du cascadeur. Des cascadeurs, oui, des cascadeurs. Rémi Julienne. Rémi Julienne, voilà, ouais. Rémi Julienne. Rémi Champs. Julienne qui était basé, ouais, sur le terrain, qui avait son hangar sur le terrain de, ouais, de la Ferté. Oui. Ouais. Voilà. Rémi, bref, Julienne qui nous a quittés, malheureusement, lui aussi, il y a peu de temps. Entendez, mais. Ouais. Entrez. Alors, juste. C'est bizarre. C'est un animal ou une moto, ouais, qui pète. On va juste retrouver Johan qui nous présente le club de son club. Bonjour Johan. Et bonjour. Bienvenue à l'Aéroclub Nostradamus. Bon bah super. Là tu es. On est où déjà à Saint. À Aiguère, à Salon-Aiguère, dans le sud de la France. Je suis perdu. Alors là on est devant ton projet. Oui. Qui est de refaire un. Un Shadow. Un CFM Shadow. C'est une machine. Qui date de fin des années 80, anglaise. Un peu bizarre, parce que c'est un propulsif biplace en tandem, et qui a eu une longue histoire, parce que le concepteur l'a bien poussé. Il y a eu quasiment 400 exemplaires de produits à l'époque, et qui a servi de manière délirante des militaires en Inde jusqu'à la DEA aux US. Et celui-là a servi à faire des tournages de films, entre autres, Dragon Heart, par exemple, où il a servi à faire les vues de dragon, tout simplement. Et c'est un appareil donc, qui vient d'Angleterre, c'est ça? C'est, ouais, les Anglais qui l'ont conçu? C'est les Anglais qui l'ont conçu, et en l'occurrence, c'est des amis de l'équipe nationale d'Angleterre qui me l'ont amené, suite à une compétition qu'on a organisée ici l'été dernier. Un des pilotes avait cette machine-là, ce type de machine-là, me l'a fait essayer, et j'en étais conquis directement pour les besoins de la compétition. Et donc, m'a trouvé ce kit à finir, à refaire en fait, parce qu'il avait été trop modifié pour les besoins des tournages de films. Et donc, je me suis retrouvé embarqué dans construire et moderniser cette machine, puisque ben, aussi l'idée, c'est d'utiliser un Yamaha 80 chevaux comme moteur, à la place du 503 qui allait à l'origine, du 503 et du 582. Et donc ça, c'est une espèce de nouveau moteur qu'on commence, enfin, de nouvel assemblage qu'on commence à voir dans le coin, importé par des amis BF Motors, qui a l'avantage ben, d'avoir le même poids que le 582. Donc pas de problème de centrage ou de rééquilibrage. Et vous avez raison. Oui, alors là, on a totalement merdé. Ah oui, moi j'étais concentrée. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Alors, on y retourne. Je suis vraiment désolé. Donc, Johan est sous club. J'étais en train de lire les commentaires en disant, on ne serait pas dans un jour sans fin. Puis j'étais là, mauvais sujet. Mais qu'est-ce qu'il veut dire, Dyrus? Je ne comprenais rien. Alors, en effet, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Merci, Dyrus. Merci, vous êtes concentré. Moi, j'étais en train de regarder si les stories Instagram fonctionnaient pour notre compte. Voilà, comme quoi, on n'est vraiment pas concentré. Voilà, on recommence on y tout de suite avec Johan qui nous présente son club. Oui. On retrouve Johan. Et alors, bonjour. Il nous parle du club Nostradamus. Et oui, vous êtes donc dans les hangars de l'aéroclub Nostradamus. C'est un club qui a été fondé en 88 à Trets au départ et puis déplacé ici à l'aérodrome de Salon-Aiguère. Et qui fait beaucoup d'activités, puisqu'on est entre 120 et 200 par année, grosso modo, avec quasiment toutes les classes, puisqu'on va du paramoteur, on a du pendulaire, du 3 axes, de l'hélico, ce qui pour le coup est assez rare, puisqu'on le fait en instruction et en location aussi, et on est en train de voir pour repasser sur l'autogire aussi. La seule classe qui nous manquera, ça sera les ballons, du coup. Ah oui. Peut-être pour la suite. Donc là, on a un Savannah. Et ouais, le Savannah du club qui a fait, qui en est à 3 milliards maintenant. Bien. Et qui va peut-être rappeler des souvenirs à beaucoup de monde, parce qu'il a tourné un peu souvent dans le pays, sur, ouais, les compétitions, sur les grandes balades. Sur... Et alors le club Nostradamus organise pas mal de compètes, c'est ça? Exactement, c'est un club qui a une culture compète depuis toujours. L'été dernier, typiquement, on avait organisé ce qui s'appelle la Franglais Friendly, qui est une rencontre amicale sportive entre les pilotes de l'équipe nationale d'Angleterre et principalement l'aéroclub Nostradamus, plus les clubs intéressés par la compète, mais généralement c'est nous qui sommes le côté français de la chose. Et donc l'été dernier, c'était moi qui étais directeur de course, on l'a organisé ici avec 19 machines en vol pendant une semaine complète. On avait organisé un truc un peu sympa, on avait créé un camping sur le terrain, on avait fait venir des food trucks, on avait... des douches et compagnie qu'on avait créées pour l'occasion. Enfin, on avait essayé de faire un truc un peu gros, un peu sérieux.
et que les Anglais ont adoré et qui nous a donné de bons souvenirs du coup. Super. Et alors les compètes en général, ça consiste en quoi? Alors les compètes en ce qu'on appelle classique classe ou microlight, effectivement, donc trois axes, autogire pendulaire, c'est grosso modo de la course d'orientation, on va dire, pour la plupart des tâches. Donc on nous donne un cheminement à suivre ou des balises à survoler et on doit être précis à 250 mètres près, donc en vol. Donc on a une carte 250 millièmes et donc ben, on doit être précis à 1 mm dessus. Et durant les vols, ben, on a des obligations de passer d'un endroit précis à des moments précis ou de repérer des photos. On a également aussi, lors des retours sur le terrain, des précisions d'atterrissage, ce genre de choses-là. Ah oui. Donc c'est vraiment des précisions d'atterrissage et éventuellement des précisions d'atterrissage moteur coupé. Donc on est vraiment dans démontrer qu'on maîtrise l'ensemble de la machine et du domaine de vol qui vient avec, dans l'ensemble des situations et de manière précise. On n'est pas sur de la performance mécanique pure, on n'est pas sur de la vitesse, on n'est pas sur prendre des jets. On est vraiment sur de la compétence de pilote, au point où les performances machines sont quasiment pas utiles en fait pour ce type de compétition. D'accord. Est-ce que vous plantez des aiguilles? Exactement. J'adore. Bon bah super, bah écoute, donc on peut voir sur votre site, j'imagine, il y a pas mal de documents. Exactement, ulm-nostradamus.fr. Parce que vous faites des compètes, mais vous faites aussi des grands voyages, des Exactement, balades. Exactement, on a une bonne historique de grandes balades qu'on fait de notre côté, où on fait des tours de France, on fait des voyages aussi à l'étranger, etc. Entre membres du club, entre pilotes qu'on a formés ici, on part toujours à 5-10 machines et on se fait des belles balades. Eh ben merci, Johan. Merci à toi. J'ai du mal à dire Johan. Et maintenant, on retrouve Johan et son club. Bon, merci Johan, donc, toujours. Oui, cette fois, c'est bon. Alzheimer, alors, c'est intéressant, justement, parce qu'il évoque un sujet qui intéresse tout le monde, enfin, qui est un petit peu, malheureusement, passé de mode, mais la compétition dans le monde de l'ULM. Alors, pour le paramoteur, il y a beaucoup de compétitions. On l'a vécu quand on a fait avec Laura les championnats de France il y a 2-3 ans. C'est quand même très, très amusant. En fait, amusant. On était totalement seul au milieu des paramoteurs. Mais j'avoue, si on était au point plus, qu'on ne l'a pas super bien vécu, puisque il n'y avait pas d'ambiance, il n'y avait pas de contact, il n'y avait pas de... Voilà. Même si la compétition en soi, c'est très marrant, mais l'ambiance en soi n'est pas... Bref, ça et puis on n'était pas assez nombreux pour créer vraiment un podium sur notre... alors qu'on était en ULM 3 axes. Enfin bref... on a interrogé Peyo aussi sur le sujet, mais on n'a pas encore monté. On va le monter. Et puis, Patrick, toi, tu peux nous dire un petit peu ce que tu en penses. Alors, en effet, le monde du paramoteur et la compétition, on a l'image de la famille Mathéos. Bon, c'est une très belle image, en effet, c'est très, très. C'est vrai, c'est chouette. Il faut rappeler qu'ils ont été champions du monde. Hein, ils sont champions du monde depuis des années. Ils sont toujours là et bravo, bravo à eux. Le seul souci qu'il y a, c'est que moi, je l'ai vu en tant que président de club, en tant qu'instructeur. Au sein du club, on a voulu développer l'activité compétition. Alors moi, je ne l'appelais pas du tout compétition. Je l'appelais paramoteur game. Pourquoi ? Parce que c'est avant tout un jeu. La compétition est un jeu accessible à tout le monde. C'est pas compliqué, il y a quand même des règles. Hein. Attention, les Mathéos, quand ils se mettent à bosser sur les sujets, entre eux, ça devient très technique. Mais pour le pilote lambda, pour accéder à la compétition, moi je l'ai vu au niveau du club, on l'a fait avec, entre autres, un club qui est dans du côté de Niort. C'était super sympa, il y avait ce qu'on appelle des régionales. C'est pour ça qu'ont été créées les régionales. Dans la région parisienne, il y en a une ou deux. Il y en a partout en France. Et ça se permet de se mettre en valeur sur des exercices, sur des jeux. Moi, j'appelle ça des jeux. Certes, il y a des points et tout. Et il y a un classement. Et on ressort de ça en s'apercevant que c'est tout à fait accessible, que du coup, on partage beaucoup avec les autres et qu'on peut très facilement progresser. Le problème, c'est que la plupart des gens, dès qu'on leur dit compétition, ils ont peur. Ils se disent, ça y est, moi, j'ai pas le niveau, j'aurai jamais le niveau, ça va pas le faire. Alors qu'en réalité, il faut aborder ça comme un jeu et beaucoup de gens ont évolué. Et dans le monde du paramoteur, c'est beaucoup plus facile peut-être que dans le monde du multi-axe, où en effet, la mise en œuvre de la machine est quand même plus compliquée, peut-être. Alors je pense que dans le multi-axe, c'est le stall, entre autres, les ATS. C'est ce que j'allais y venir. Voilà, le stall, pour moi, est très festif. Très, voilà. Faut que ce soit festif, en réalité. On y retourne. On y vient, on a de plus en plus de compétitions de stall. Oui.
Justement, on voyait Bernard avec son moteur, avec son bingo, qui souhaite faire du stall. Yohan aussi. Yohan aussi. Bah oui, qui fait sa machine pour faire du stall. Et puis, voilà. Donc, on va parler de plus en plus du stall. Je pense qu'il y a une relance en ce moment de la part de la F-Plume également, de la compétition. J'avoue que... Alors, je vois un commentaire qui parle d'accident, etc. Chez nous aussi, c'était des jeux pas de niveau, pas de compétition qui montent à l'accident. Oui, alors c'est vrai que c'est un tout petit peu... Bon, ça pousse un peu à la connerie. Oui. Mais le peu de compétition auquel on a participé avec Laura et avec Fabrice, ça nous a bien fait marrer. C'était quand même assez rigolo. Oui, tu te prends au jeu quand même. Ça nous a poussé un petit peu à faire des bêtises aussi. Oui, c'est ça aussi. Ça fait prendre conscience qu'il faut faire très attention. Ouais. Mais franchement, ouais, c'est assez sympa. On se prend au jeu et on progresse énormément pour avoir assisté... fait quelques compétitions dans ma carrière de paramotoriste. J'avoue franchement, si c'est pris comme un jeu, ça va. Mais en effet, on se prend au jeu et on peut aller pousser ses limites, pousser les limites de la machine. Et c'est vrai qu'il faut faire attention. Des fois, on se surprend agréablement. Des fois, on se dit, ça aurait pu ne pas passer. Et là, on aurait pu risquer de la casse. Oui, en effet, c'est ça qu'il faut éviter. Alors en paramoteur, la casse, il faut y aller quand même. Bon, il y a des gens qui gèrent bien les compétitions. Entre autres, je pense à Pascal Vallée. Moi, j'ai connu des pilotes qui n'osait pas aller voler avec une aérologie marquée, quoi. Et du coup, Pascal arrivait à nous emmener faire des vols qu'on n'aurait jamais fait par nous-mêmes. Donc c'est là que c'est intéressant aussi. Hein. Ça permet vraiment de progresser, quoi. Voilà. Alors justement, Fabrice disait, c'est la seule fois où on a volé à la carte papier. C'est pas faux. C'est pas faux. Oui. Pareil pour moi. Alors, on a encore trois sujets. On va retrouver Payot. Voilà, on retrouve Payot à qui on a posé la question... Je veux m'acheter une machine d'occasion. Qu'est-ce que tu nous conseilles ? Qu'est-ce que tu nous conseilles ? Qu'est-ce qu'on doit vérifier ? Ben, beaucoup de choses. Alors, soit on fait confiance à celui qui achète parce qu'on le connaît, parce qu'on connaît la machine, c'est une chose. On connaît la manière dont il a entretenu, les heures qui sont affichées. Ça, c'est le cas le plus simple, c'est-à-dire que il n'y a pas de crainte. Il n'y a rien, on peut acheter, partir et voler, en principe. Ensuite, on achète une machine à quelqu'un de loin, on ne sait pas l'historique, on ne sait pas grand-chose. À ce moment-là, il y a un check-up à faire sur le moteur et sur la machine. Le moteur, on regarde s'il y a des compressions, on regarde la couleur des bougies, parce qu'on verra s'il bouffe de l'huile ou s'il ne la bouffe pas. On regarde pas mal de petits détails comme ça, ils sont nombreux. Et ensuite, on fait la même chose pour le restant de la cellule, le jeu des articulations, l'oxydation des câbles, des chapes, tout ce qu'on peut trouver qui risque. Donc ça, c'est un détail, il est long. On regarde aussi le circuit d'essence, parce que c'est souvent lui qui est à l'origine de pas mal de soucis. De la merde dans les réservoirs, des filtres bouchés, des filtres qui ne sont pas assez accessibles à l'œil. C'est-à-dire que le filtre à essence, qu'on le veuille ou pas, il faut qu'il soit quelque part, qu'on monte dans la machine, on jette un œil dessus, on voit s'il y a un poisson rouge dedans ou s'il n'y en a pas. Voilà, ça c'est important. Le mécano spécialisé dans le vélo de course ne va pas voir grand-chose dans le moteur Rotax une fois démonté. Donc il faut quand même un minimum de connaissances, pas faire n'importe quoi. Et comment on peut voir les signes d'un moteur qui a chauffé par exemple ? Ah, ça, c'est assez compliqué, parce qu'il y a des signes qui ne laisseront rien apparaître, c'est à l'intérieur que ça se passe, et après, d'autres signes peuvent être, par exemple, des légères fuites d'huile entre le cylindre et la culasse dessous. Ça peut être un coup de chauffe, souvent même, mais après, c'est une déformation pour les moteurs anciens qui est assez fréquente, pour au moins le 100 chevaux. Donc quand on voit une fuite là, faut se méfier un petit peu. Les pipes d'eau aussi qui bougent ou... Alors les coudes, les sorties d'eau, je dois en avoir là. Alors voilà ce que c'est que les sorties d'eau, c'est un coude, un tube coudé, fileté d'un côté, et puis une petite collerette à l'autre pour retenir la durite. Bon, cette pièce filetée est tout simplement vissée dans la culasse, dessus ou dessous, à la pompe à eau, pareil,
Et là, on va revisser cette pièce à sa place, mais on va la mettre en place et la coller avec un produit Loctite 648, c'est du verre, hein, qui résiste à la chaleur, qui résiste bien. Hein, qui, donc en gros, si ces pipes bougent... Il n'y a rien de grave. Mais ce n'est pas parce qu'elle a pris un coup de chaud et que la loctite a été déçue. Non, pas nécessairement. Ça bouge quelquefois sur des colles anciennes, là, des moteurs un petit peu anciens, parce que le produit a vieilli, tout simplement. Hein, quand un moteur a 20 ans... Oui, c'est la fin. Ah oui, c'était la fin, plus petit. Alors, on a un jeu, on a un truc à vous faire gagner. Alors, attends, hop. Hop, ceci. Ah, non, ce pas patch. Trop près. Voilà, ce patch. Très bien, ce petit patch. Alors, ce patch, on a une question. Alors, on avait trouvé une question. On voulait vous demander de quelle couleur était le poisson. Mais évidemment, on a vu un petit commentaire. Jacques a trouvé la réponse avant même que l'on pose la question. Donc, il y en a qui a répondu avant même. Qui c'est? Jacques? Oui, c'est Jacques. C'est Jacques derrière son docteur Carouette. Alors, la question, c'est quelle loctite pour les pipes à eau? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? On se balade en France ou on attend les réponses? Alors oui, on a continué notre balade quand on est parti de chez Payot. Le samedi, samedi. Le samedi, ouais. On a pris la nationale, je sais pas, Waze nous a fait. Voilà, alors, c'est Jérémy qui a gagné. 648. Allez, Jérémy. Tu nous enverras tes coordonnées. Info@easytofly.fr. Info@easytofly.fr. Voilà, comme ça on est sûr, elle est bien. Et info, c'est au singulier. Voilà. Sait-on jamais. Donc la verte, la 604, la. Voilà. Bravo, hein. Mais avec le timing, certains ont peut-être répondu avant, mais ça apparaît après. Qu'est-ce que je voulais dire? Excusez-moi, je note. Ah oui, on repartait. Alors, c'est pour vous dire dans quel état d'esprit on est. On se tapait la route de chez Payot à Paris, et puis le Waze nous a fait passer par les nationales quasiment jusqu'à je ne sais plus Cahors. Non, pas loin. Bah, pas loin, justement. Brive, et puis Cahors. Enfin, on se retrouve à Cahors. Oui, justement. On se retrouve à Cahors pour aller prendre l'autoroute. Et là, on voit un avion. Un avion. Et puis après, on voit un panneau aéroport. Donc on se dit, on va y aller. On va aller voir. Et puis on a passé 2 heures à discuter avec Fred et Karine. Oui. Bonjour Frédéric. Bonjour Jiseb. Donc Frédéric, on est dans ton hangar. On est à Cahors. T'as un magnifique hangar immense, tout neuf. Et t'as aussi un magnifique dynamique. Un dynamique que tu as acheté. C'est ça. En kit. En kit, oui. Alors moi, je ne savais pas qu'on pouvait acheter un dynamique en kit. Et donc tu l'as reçu en petits morceaux, façon puzzle. C'est ça. Et tu l'as monté toi-même. J'ai monté moi-même, oui. À partir des petits bouts, on assemble. Et c'est plus facile que de le fabriquer sur plan. Et ça va plus vite. Ouais. Tu as mis combien de temps pour le faire? Il a fallu 1 an et demi à peu près. Ah oui, quand même. Ah oui. Bon, c'est-à-dire que tu as quand même les ailes qui étaient faites. Les ailes étaient faites, toutes les pièces moulées étaient faites. Après, il faut faire l'assemblage, il faut faire les ajustages, il faut faire l'aménagement de l'intérieur. Câbler. Le tableau de bord, le câblage, l'installation moteur, la préparation des surfaces. La peinture. Et la peinture. Ouais, c'est quand même du taf. Et le train, il fallait le monter aussi, j'imagine. Et le train, il faut le monter, il faut découper les trappes de train, il faut. Ah oui. Voilà, il y a quand même un petit peu de travail. 1 an et demi. Une magnifique hélice props assortie à la machine. Et alors, ton moteur, c'est un petit peu comme la cuisine d'un bon restaurant. Tout est fait maison. C'est ça. C'est-à-dire que tu t'es fait une injection toi-même. C'est ça. Tout fait maison. Alors, quand on dit tout fait maison, on ne se rend pas compte, mais de la production d'énergie que tu as refait toi-même. Tu as refait un stator, comment on appelle ça? Stator rotor, l'alternateur stator complet. Voilà. Donc, tu me disais que tu avais mis 12 bobines. Donc, tu as deux fois l'équivalent de celui d'origine. C'est ça. Il y a 2 alternateurs intégrés en un seul sur le même stator. Et ce qui fait que ça fait une redondance, ça fait une double production électrique. Ouais. Alors, on ne voit pas très bien derrière. Mais non, tu as après, 2 régulateurs aussi, hein, finalement. Tu as choisi la marque, c'est quoi déjà tes régulateurs? C'est des modèles japonais, c'est la marque Shendengen. D'accord. Mais tu vois, je croyais que c'était allemand. Non. Donc, tu as 2 régulateurs et donc tout ça donne une petite redondance sur la production d'énergie.
C'est ça, une redondance totale sur la production. Voilà. Côté allumage, c'est pareil, tu as supprimé tous les allumages Ducati Rotax de base et tu t'es mis un système issu de l'automobile, c'est ça ? Voilà, c'est issu de l'automobile, c'est, des, c'est du matériel qui a fait ses preuves, c'est les bobines Bosch. D'accord. Qui sont commandées par le calculateur d'injection. Voilà. Donc là, tu as mis un système d'injection, tu m'as dit c'est américain ? Voilà, c'est américain. Le calculateur, voilà, que microscript. tu programmes toi-même. Donc il y a quand même beaucoup de taf, hein. C'est pas juste plug and play, on va dire. Et puis après, tu as fait toi-même tes injecteurs, c'est ça ? Voilà, après là, c'est pareil, c'est des injecteurs. L'injecteur, c'est juste cette partie là, ici, en fait, qui est alimentée par ce qu'on appelle la rame d'injection. Ouais. Et les injecteurs, c'est d'origine automobile aussi. Ouais. Et je me suis usiné les rames d'injection et je me suis moulé en cette pièce-là, le collecteur, le 4 en 1. Ouais, qui est magnifique en carbone. Voilà, c'est un peu le nerf du système d'injection, quoi. Il faut arriver à récupérer l'entrée d'air sur un monopapillon, la redistribuer aux 4 cylindres et injecter avec les injecteurs en face des soupapes. Il y a eu une phase de mise au point, j'imagine ? Il y a eu une phase de mise au point et il y a toujours phase encore d'amélioration, pour affiner, pour que ce soit le plus possible, le plus parfait possible. Voilà. Alors, toutes les durites sont en mode blindé, comment on appelle ça Oui, c'est les durites blindées, on appelle ça les durites aviation. Voilà. Et là, on se dit, pourquoi cette petite durite ne l'est pas ? Bah, parce qu'il faut une souplesse entre le moteur et le châssis, on va dire. C'est toujours bien, ouais, de garder une petite souplesse, ouais. Parce qu'au démarrage, tout ça, ça vibre. Donc, tu me disais qu'évidemment, avec l'injection, la machine ne vibre plus du tout. On a enlevé les petits soucis de synchro carbu. On a un moteur qui tourne plus rond à tous les régimes. On a supprimé les systèmes, les problèmes de vapor lock. On a supprimé les problèmes de givrage aussi. Ouais. En termes de puissance, tu me disais, il ne faut pas exagérer, tu n'as pas gagné non plus. Non. Ce n'est pas pour la puissance que tu as fait ça. C'est plutôt pour la stabilité du moteur, un ralenti plus stable, j'imagine. Voilà, ralenti plus bas, plus stable, des démarrages plus doux. Peut-être un arrêt un peu plus doux, parce que du coup, on arrive à descendre le ralenti un petit peu plus bas. Après, on a le système d'injection qui affine la carburation au mieux dans toutes les phases de vol et à toutes les altitudes. Oui, j'ai vu que tu avais une sonde lambda. Une sonde lambda. Donc là, on est efficient au maximum dans toutes les phases de vol, quoi. Ouais, ouais. Super. Et alors, à l'intérieur, tu as... Alors, je vais faire le tour. Tu as une instrumentation assez classique. Et un pilote auto, le fameux pilote auto Hublot. Et tu me disais que ça marchait très bien. Alors le Hublot, oui, ça marche très très bien, oui. Je n'ai pas du tout été embêté. Quand on cherche un peu, c'est un des moins chers, hein, c'est pour 5-6 000 balles, on a la totale. C'est ça, c'est à peu près ça. Donc là, on a le CS. Il y a l'Horizon qui est livré avec. Le système de commandes que j'ai intégré moi dans le tableau de bord, qui est une platine qui vient visser par-dessus. On peut régler le cap, l'altitude, ou le mettre en mode navigation où il est couplé avec le GPS. Voilà. Alors en fait, c'est pas très cher à l'achat, c'est juste qu'il faut l'installer. Il faut l'installer. Ouais. Ouais. Moi, c'est ce qui m'a toujours en fait bloqué. C'est l'installation des cerveaux, etc. Si ça n'a pas été prévu avant, c'est toujours un peu compliqué. Voilà, et bien le régler, parce que c'est très sensible le réglage des cerveaux, parce qu'il faut que les bras de commande soient au plus juste pour utiliser vraiment le maximum de course des bras de cerveau, pour éviter d'avoir une machine qui se promène en roulis ou en tangage. Alors ton logo, c'est FK Airbaz. F comme Frédéric et K comme Karine. Donc Karine, vous êtes, j'imagine, un couple. Oui, marié. Et donc vous voyagez ensemble et vous avez fait des beaux voyages avec votre belle machine. Oui, on a fait de beaux voyages, oui. Donc c'était quoi le dernier ? Le dernier, c'était la Corse. Donc vous avez fait quoi ? Le tour de Corse ? Vous êtes allé où ?
On est resté dans le sud de la Corse, on a fait. Voilà. La région de Propriano, Bonifacio. Très sympa. Oui. C'est magnifique en vol. Oui. Super. Ah oui, c'est magnifique, oui. On a la chance d'avoir des paysages comme ça. On est ravis de vous avoir rencontré à Cahors. Et je suppose que tout le monde est bienvenu dans votre hangar pour un passage. Si on est de passage, on vous contacte et puis... Faut pas hésiter, on a toujours de la place. Bah oui, je vois ça, hein, y a de la place là derrière. Bah merci et puis à très bientôt. Et merci à vous. Merci à vous. Ciao, ciao. À bientôt. Alors Fred est également constructeur de gazelle. Et je vous invite à consulter son site pour non seulement voir un petit peu toutes les étapes de la fabrication de son gazelle, mais on peut trouver également tous les détails sur son injection qu'il a créée lui-même. J'ai pas l'adresse web là, du site, mais je vous la mettrai dans les commentaires de l'émission, comme d'habitude. Maintenant, on va faire les mendiants. Oui. On peut dire Juste parce que on voulait vous dire que on a besoin d'oseille. dit comme ça, ça le fait pas. Non. Non, mais ce qu'on peut dire, c'est que nous, on finance tout ce qu'on fait. Oui. L'année dernière, vous nous avez aidé à financer notre voyage quand même. Pour Sun and Fun. Oui. On a financé tout le reste, Oshkosh, la Californie, voilà, etc. Ça. Alors oui, certes, on s'est éclaté, mais on a aussi bossé. Hein, non, beaucoup. Mais nous, on bosse, en fait. En fait, nous, les vacances, en fait, c'est d'aller visiter les terrains. Nous, sur une plage, on y reste à peu près 10 minutes. Histoire de prendre l'air et puis hop, on y retourne. Tout ça pour dire qu'on a créé une cagnotte. Ah oui, alors d'abord, ce qu'on voulait dire, c'est que on utilise une petite application pour voir combien nous a coûté notre semaine de voyage. Pour Sun & Fun, vous avez montré un peu le même style. Bah là, cette fois, c'est pour notre voyage à Salon de Provence, le tour de la France, on va dire. Salon de Provence et les sujets qu'on a vus aujourd'hui, c'est-à-dire en gros de quoi faire deux émissions. Ça nous a coûté 1200 euros. Oui, c'est ça. 32%, c'est de l'hébergement. Pardon. Donc 379 euros d'hébergement, 457 euros d'essence et de péage compris. Presque 200 euros, je crois, le péage. Et puis 269 de restaurant et 80 euros d'achat. Ça, c'est les petits goodies qu'on a achetés. Sachant que restaurant, pour y revenir, comme on disait, nous, on n'est pas très cher niveau nourriture. Hein. On a calculé, ça fait 13 euros par personne. Voilà. Pour vous dire, généralement, ça va pas plus loin que McDonald's. On va pas aller dans un restaurant chic. On s'en fout total. Nous, ce qu'on veut, c'est filmer des choses intéressantes. Et pour vous dire un petit peu, on a fait environ, on a passé les 2000 km sur ce trip-là. Ouais. Donc voilà. Bon, bref, si le cœur vous en dit, vous avez la possibilité de, on vous mettra le lien, je crois qu'il y est déjà, sur la description de la vidéo. Sachant qu'il y a deux types de dons, c'est ça ? Oui, vous pouvez faire des dons mensuels. Enfin, tout ça, c'est fait avec un organisme et l'OASO. On peut faire des formulaires pour défiscaliser, évidemment. Voilà. De choisir. à votre bon cœur, monsieur, dame. Voilà. on est très gênés, hein, parce que c'est pas du tout notre genre. C'est vrai qu'on n'aime pas trop demander ça. Déjà, l'année dernière, on était gênés, mais voilà. Là, j'avoue, ça coûtait un peu cher, même si, encore une fois, on s'est éclaté, mais on a travaillé, mais ça coûte cher, le fait de travailler aussi. Bon, c'est comme ça. Et puis, dernier petit sujet. Oui. On vous laisse découvrir le Class 6, l'hélicoptère Class 6 de Julien. Thank you.
Salut Julien. Salut Jean-Seb. Alors Julien, tu étais l'heureux propriétaire d'un VL3 qui volait à 300 km/h et tu te dis je vais acheter un hélicoptère qui vole à 150 km/h. C'est un peu ça l'idée, ouais. Qu'est-ce qui t'a pris ? Heureusement, il y a quelques autres avantages. Ouais. Bah, qu'est-ce qui m'a pris ? Ouais, envie de changer. J'ai toujours aimé avoir des machines très différentes, parce qu'avant le VL3, j'avais un G1, donc qui avançait à peu près à 150 km/h. La différence, c'est ce qui ne se posait pas sur une toute petite surface que fait l'hélico. Donc voilà, non, je trouve que l'hélico, c'est vraiment fun. Le domaine de vol, il est incroyable. Et c'est la possibilité, évidemment, de se poser n'importe où, dans un champ, dans le jardin d'un ami, etc. Ce qu'on ne peut pas faire avec un 3-axe. Donc voilà, ça a des contraintes par contre. Il n'y a pas beaucoup de place pour les bagages. Ça vole pas très vite, tu l'as dit. Et mine de rien, c'est assez sensible à la météo. En tout cas, il faut être bon quand la météo est mauvaise. Quand il y a du vent notamment, il faut être assez bon parce que le vent arrière, c'est assez dur à contrôler. Voilà, ça c'est les inconvénients. Mais ouais, les avantages, c'est finalement 150 km/h, c'est honorable. Et ça permet surtout de se poser n'importe où. Alors, c'est équipé d'un Rotax 912 ? Ouais, un Rotax 912 un peu maison, c'est-à-dire c'est Dinali, le fabricant de l'hélico, qui fait tout le système d'injection, etc., etc. D'accord. Là, je vois qu'il y a une courroie qui est détendue. Ouais, en fait, la courroie est détendue parce que, pour qu'elle se tende, il y a un pivot qui se trouve juste ici. Toute la base du moteur bascule comme ça en arrière, et c'est quand elle bascule en arrière, quand on le clutch, c'est ça qui fait tendre les courroies et donc qui fait passer la puissance à la BTP, la boîte de transmission principale, et à la BTA, à l'arrière, pour le rotor anticouple. Tu as aussi une roue libre, ici, qui permet à la fois, dans un sens, évidemment, ça entraîne le rotor principal, mais dans le cas où le moteur se coupe, donc cette roue ne tourne plus, celle-ci, grâce à la roue libre, continue de tourner, c'est ce qui permet de faire l'autorotation. Voilà, si tu avais une panne moteur, par exemple, si tu serres le moteur, il s'arrête net. De toute façon, tu restes clutché, mais tu peux être en autorotation parce que cette roue libre désolidarise l'un de l'autre. Le rotor. Tout à fait. Voilà. Ok. Super. Et alors, quand tu apprends à piloter un hélico, tu fais pas mal d'exercices de panne. Comment ça se passe ? Ouais, bah tu fais à peu près toutes les pannes possibles et imaginables. Hein. Donc panne moteur, donc les autorotations, panne de rotor anti-couple. Puis voilà, les diverses pannes qui existent, panne d'injection, panne de batterie, panne de... Voilà, c'est vraiment très varié, mais oui, on fait toutes les pannes possibles. Et tu peux nous montrer à l'intérieur ? Ouais, bien sûr. À quoi ça ressemble ? Hop là ! Donc, biplace, côte à côte. Biplace, côte à côte, ouais. Et puis un tableau de bord relativement sommaire. Enfin, il y a tout ce qu'il faut, j'imagine. Ouais, il y a tout ce qu'il faut, ouais, heureusement. Ici, on a le MGL, c'est l'appareil en fait qui permet de s'assurer qu'on a bien synchronisé le moteur avec le rotor. D'accord. Le moteur, il tourne constamment à 5500 tours et donc on gère avec la pression d'admission la puissance qui est disponible. Ça, c'est la vitesse, évidemment, les températures d'eau. Ici, on a le GOV. Le GOV, c'est le gouverneur qui gère automatiquement les gaz et qui s'assure qu'en fonction du pas, bien sûr, ben on est la bonne puissance. On a un alti, on a les différentes températures d'huile, température très important, la température de la BTP. D'accord. C'est la boîte de transfert. La boîte de transmission principale, la BTP, et donc il y a des capteurs de limaille à l'intérieur et des capteurs de température qu'il faut surveiller, voilà, dans le circuit visuel. Radio, alors montre-nous par exemple les commandes. Là, tu as un manche. Ouais, alors celui-là, c'est pas celui dont je me sers. Ouais. Moi, je me sers de l'autre. Mais donc effectivement, on a ici ce qu'on appelle le collectif qui monte et qui descend pour mettre du pas au rotor. Et puis on a la manette... Ça fait quelque chose là quand on le fait ? Ah oui, voilà, on voit, d'accord. Voilà, ouais, ok. On monte et on descend, ça met du pas. On a les gaz qui sont directement sur la poignée. Donc les gaz tournent dans cette poignée. Et là on voit ici, voilà. Système de gaz. Et si tu as le gouverneur, et donc si on a le gouverneur est en route. On a l'indication ici, quand il est en route, on n'a pas besoin de gérer les gaz. D'accord. Sauf s'il y a une panne, c'est d'ailleurs une des choses auxquelles on s'entraîne, une panne de GOV. Du coup, il faut reprendre les gaz, la gestion des gaz en manuel. D'accord. Et voilà, c'est un peu sportif parce que ça entraîne des phénomènes de lacets qui sont assez forts, donc il faut bien maîtriser les pieds. Alors les pieds, bon, ça va agir. Donc les pieds, ça agit sur le pas du rotor anti-couple. Tu peux me faire bouger le palonnier ? Ah oui, du lacet, tu peux le faire. Voilà, je fais ça. Très bien. Et ça fait bouger le pas du rotor anti-couple. Génial. Et puis après, on a le manche cyclique
Donc là, c'est le plateau cyclique que tu peux voir au-dessus. Ah oui, c'est pas tout à fait la même commande, ça touche pas vraiment au pas. Ça touche pas au pas, mais ça permet d'incliner le plateau rotor dans le sens dans lequel on veut aller. Ouais, on veut aller en avant, on bascule en avant. Exactement. D'accord. Donc on est tout le temps en train de coordonner le cyclique, le collectif, les palonniers. Puis l'art du pilotage, bah, c'est d'arriver à coordonner les trois tout le temps en même temps, parce que dès qu'on fait une modification sur une des commandes, on est systématiquement obligé de remodifier les deux autres. Donc constamment, dès qu'on fait une correction, on corrige les deux autres. Et en fait, il faut corriger les trois en même temps. Donc voilà, l'art du pilotage, c'est on devient bon à partir du moment où on n'y pense plus. Et les trois commandes, naturellement, bougent ensemble, quoi. Sachant que bon, c'est très sensible au vent, comme je le disais. Donc en fonction de si on est en stationnaire, on a le vent de travers, on va aller vers le point d'attente. Donc quand on va au point d'attente, en général, on a le vent dans le dos, puisqu'on décolle avec le vent de face. Donc quand on a le vent dans le dos, par exemple, c'est hyper sensible au niveau du rotor anticouple, qu'on a des phénomènes de lacets qui sont assez importants. Et donc quand on joue sur le lacet, on joue aussi sur la puissance moteur, donc ça le fait monter, descendre, et voilà. Et donc on est constamment en train de corriger. Alors tu me disais que l'entretien sur une machine comme ça, c'est pas tellement le rotax, c'est plutôt toute la cellule. Bah, le rotax, c'est un rotax classique, même si voilà, il est plus homologué rotax, c'est un moteur Dynali, hein, finalement, parce que c'est Dynali qui l'a modifié. Mais voilà, l'entretien, c'est pas totalement l'entretien du moteur qui est importante, même si évidemment il faut la faire. Les pas d'entretien qui sont rapprochés, c'est plutôt pour l'entretien de la BTP et de la BTA. On a des vidanges d'huile, il y a tout un tas de changements de biellettes, on vérifie le track aussi sur les pales du rotor. Et donc voilà, il y a un entretien, en tout cas, il y a une première maintenance, un premier niveau de maintenance qui est surtout du visuel et des graissages toutes les 25 heures. Voilà, on voit par exemple que ça baigne un peu dans l'huile. Tout à fait. Voilà. Ouais. C'est ce qui permet de faire le contrôle visuel du niveau de la BTA. Bon, et tu t'amuses comme un petit fou. Je m'amuse comme un petit fou, ouais. C'est génial. C'est un autre domaine de vol. Hein. C'est pas forcément fait pour faire des voyages, même si celui-ci, il a un réservoir qui est assez gros. C'est le plus gros réservoir. Il a un 80 litres. Ah oui. On consomme à peu près 20 litres à l'heure. Donc ça laisse un peu moins de 4 heures d'autonomie en gardant une sécurité, plutôt 3h30 de vol. Mais de toute façon, au bout de 3h30, on est content de se poser parce que c'est... Oui, est-ce que tu me disais que même assez, changer prenant. De fréquence radio, c'est... Bah ouais, changer de fréquence radio, c'est-à-dire qu'il faut changer la main du manche cyclique et c'est tellement fin, c'est 10 fois plus fin que dans un 3 axes. Donc des toutes petites corrections sur le cyclique, ça fait vraiment des grosses variations à l'intérieur. Donc c'est assez sport. Mais oui, c'est génial. Par contre, on a un domaine de vol, on peut faire des descentes verticales incroyables, on peut se poser n'importe où sur des toutes petites surfaces, on peut faire de la translation du vol en arrière, enfin c'est le domaine de vol de l'hélico quoi, par excellence. Donc c'est chouette. Bon, merci beaucoup Julien. Je t'en prie. Bagnole. Oh, hop là, on est revenu. Alors, merci Julien, merci Patrick. Très content d'être venu, c'était pas du tout prévu. Mais c'était pas prévu, c'était une surprise. C'est vraiment c'était une surprise. À l'arrache comme d'habitude. Ouais, c'est mais c'est bien. Ce qu'on aime. Ouais, c'est pas mal, j'ai bien aimé. Eh bien, on vous retrouve sans doute la semaine prochaine. On a un petit générique de fin à base de souvenirs. Oui. On vous embrasse tous, on vous retrouve next week. Oh, c'est trop classe de dire Nest ça. Wink, hein. C'est parti. Donc, on vous embrasse, on vous dit à bientôt. Je finis par nous, un magnifique plan large avec un stamp et un moteur Renault en premier plan. C'est ça. On va vite aller manger et on vous embrasse et on vous dit à très bientôt.